Ah, bonjour la famille Onkan, moi c'est Ngamni Sophie, votre soeur qui est dans la zone de Sanga, je suis précisément à Pokola. Vraiment, je vous avise comme ça une situation dans laquelle nous nous trouvons ici, une situation aussi terrible, chers frères et sœurs. La situation de Sephora de Wesso que nous tous nous savons s'est passée comme ça, il y a des échauffourées. Depuis hier, on est en train de nous casser les boutiques ici, on est en train de nous piller partout là. Nous avons fui au commissariat, dans les gendarmeries, sous les lits des gens, des frères et sœurs congolais que nous connaissons qui peuvent nous accueillir chez eux. On a cassé toute la nuit et la pluie qui est arrivée là. Et il y a le renfort qui est venu de Wesso pour renforcer les autorités de Pokola. On est un peu en train de nous soutenir là. Que par malchance, je ne sais pas si c'est la chance ou par malchance, la nuit, on fait des patrouilles, on fait des fouilles dans des boutiques, on tombe encore chez un de nos frères camerounais qui a les ossements humains remplis dans un congélateur, mon frère. Il s'appelle. Je ne peux même pas dire son nom ici parce qu'il faut que son nom sorte officiellement par les autorités eux-mêmes. Je présume encore, je l'appelle encore présumé parce que je n'ai pas de preuves de la justice, mais vraiment un de nos frères camerounais l'a fait encore accentuer la situation grave seulement. De telle en sorte que présentement là, on a arrêté au moins deux ou trois de ses employés qu'on a déjà enfermés. On a essayé d'escorter certains Camerounais pour les protéger parce que le renouvellement de la casse s'ensuit avec une énergie encore de rage. Vraiment, regarde, nous les Camerounais, nous arrivons chez les gens, on vient se chercher. Au lieu de se chercher tranquillement, on commence à chercher plutôt des problèmes. Comprenez alors? Les ossements humains pleins dans un congélateur. Je dis bien présumé parce que vraiment, je ne peux pas donner ni le nom de la personne, ni donner les preuves à l'appui parce que c'est ce qui se passe. C'est l'un de nos frères qu'on a l'habitude de l'accuser dans ces choses-là. Aujourd'hui encore, le renfort, y compris les autorités de la place, sont venus encore trouver les choses comme ça. Imaginez. Nous sommes à brûler ici-là. Nous sommes à décapiter ici-là. Dieu seul vraiment doit nous protéger. Mettez-nous dans vos prières. Mettez-nous seulement en prière. Vraiment, nous sommes en danger dans la zone de Pokola. Vraiment, c'est grave.